Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les Philly News. Les nouveautés. Redécouvrez King of Tokyo dans une nouvelle version collector et limitée. Cette édition Dark propose de toutes nouvelles illustrations, inspirées des classiques de l'univers pulp américain, et introduit de nouvelles cartes, ainsi qu'une nouvelle mécanique, la méchanceté. Dans ce jeu de cartes et de dés coopératifs, replongez dans l'épisode 4 de Star Wars et tentez d'empêcher la construction de l'étoile de la mort. Recrutez des rebelles, organisez vos attaques et éliminez la flotte de l'Empire avant qu'il ne soit trop tard. Cette nouvelle boîte de Sherlock Holmes Détective Conseil propose 10 nouvelles affaires pour vous mesurer au plus grand détective de tous les temps. Elle inclut des enquêtes d'introduction idéales pour les nouveaux joueurs et offre de nouvelles mécaniques de jeu et quelques surprises pour les plus chevronnés. Élémentaire. Un dragon menace vos terres. Débarrassez-vous de toutes vos cartes pour envoyer le plus rapidement possible vos troupes au combat. Tirez parti des événements, jouez vos cartes au bon moment et triomphez du dragon en premier pour la gloire de votre peuple. Sort également cette semaine Les Dents de la Mer, L'Ascension de Thanos, Colt Super Express et Une Diligence d'autres. Bientôt disponible. Utilisez la force et la direction du vent pour diriger votre montgolfière et découvrir les paysages qui vous entourent. Placez des tuiles pour construire des villes ou ériger des monuments. Le premier à relier les paysages entre eux remporte la partie. Dans cette version enfant de King Domino, explorez la mystérieuse île aux dragons en choisissant vos dominos et tentez de découvrir des œufs au gré de votre voyage. Les bébés dragons vous rapporteront des points et les coquilles vides des avantages. Quoi de neuf sur le site ? Pour les vacances, Yellow vous propose une belle promo sur les jeux de la gamme Mini. Cette fois-ci, vous n'aurez pas d'excuses pour apporter un jeu dans votre valise. Et dans le reste du monde ? Les 18 et 19 juillet prochains aura lieu le festival Ludi Stories. Ce festival ludique, intégralement accessible en ligne, vous offrira tout le plaisir des festivals en plein air. Des stands animés par des éditeurs, des lieux de rencontre, des tables de jeux et même une buvette. Les Philly News, c'est terminé. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas votre crème solaire ce week-end.